Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire maintenant la partie tableau avec les encadrements. Donc on n'a pas utilisé du métal, on a utilisé de l'ossature bois qu'on a ensuite mis un pliage au-dessus. Donc ce qui va donner, en gros, ça va donner ça. Donc bien sûr, et la fenêtre vient à l'intérieur. Voilà, et puis on a aussi par là, même chose. Donc là, on voit le cadre, il sort de 9 cm. Et puis à l'intérieur, il y a un joint silicone qui est fait là. Voilà, il y a un joint silicone qui est fait tout autour. Tout est bien hermétique. Voilà, donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Alors, la première vidéo, on va parler des encadrements en ossature bois. Et dans la vidéo numéro 2, on va faire les pliages, montrer comment on plie, c'est quoi un petit peu les techniques, etc. Donc, on y va, c'est parti. Alors là, on va s'occuper du coup du tableau. Pour ça, on va faire en ossature bois. Donc là, je vais utiliser du 120 par 46 d'épaisseur. Quand on utilise du 50-50 en métal, qu'on vient directement souder sur cette partie-là en encadrement, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire la soudure sur tout le long. Le 50 par 50 en tube carré dépasse de à peu près 5000 mètres. Avec un madrier comme ça, on va dépasser de beaucoup plus. En même temps, ça va rajouter un petit style. Et ça permet d'avoir un tableau plus grand pour fixer notre menuiserie aluminium. Alors là, ici, derrière, j'ai vissé un tasseau qui fait 58 000 mètres. C'est la même épaisseur que les montants qui vont être à l'intérieur, qui va recevoir la bière. Donc voilà ce que j'ai. Donc l'encadrement intérieur a été fait. Donc là, on voit qu'il y a une traverse basse qui a été vissée directement au sol. Donc il y a un cadre qui monte. Ce montant ici, il fait 95 d'épaisseur. Et celui-ci, il fait 58 000 mètres. Pourquoi? Parce que lui, il est sur la partie plate ici. Et l'autre, il vient à l'intérieur ici du recess ici. Voilà, donc c'est pour ça que celui-là, il est plus large. Donc là, on a un montant large qui part depuis le bas jusqu'à la traverse là-haut, haute, qui est vissée par-dessus là. Pareil pour ici. Ensuite, les montants, enfin les traverses, pardon, ici, elles font 58. Donc elles sont affleurées ici avec l'intérieur. Là, du coup, on a notre décalage. On voit bien ici, celui-là, il va jusqu'à là. Et celui-ci, il vient là. Alors, pourquoi on fait ça avant en premier? Pour pouvoir, en fait, quand on a pris la prise de colle tout à l'heure, c'est on a mis une petite vis provisoire là ici qui permet de coller ici. Parce que si je dévisse cette vis, le conteneur, comme il est un petit peu déformé, il va reculer un petit peu en arrière ici. Et donc, du coup, pour le tracé de mes traverses tout à l'heure, j'aurais pas été pile poil. D'ailleurs, ces vis, ensuite, elles vont être, on va les enlever. Là, ce qu'on va faire, on va repercer ici le trou qu'il y a là, on va le percer pour faire traverser ici, parce que la vis d'assemblage qui va assembler le bâti extérieur, elle va passer à l'intérieur ici. Elle va être à l'intérieur. Comme ça, de l'extérieur, on ne voit rien. Voilà, pareil pour ici, hein. Là, on a des vis ici, là, sur le montant. Là, et ben, on va prépercer et ensuite on va assembler de là le bâti extérieur. Donc là, on voit pareil, pour cette fenêtre-là, il a fait pareil. Donc là, il y a des montants là qui vont jusqu'à là-bas. Donc là, on voit la bande résiliente qui empêche le bois d'être en contact avec le conteneur, le montant, voilà, et ensuite le cadre. Donc là, il se fixe le cadre ici. Donc bien, bien faire attention quand on fixe ces traverses-là, avec ces montants, qu'on soit bien d'équerre, pour que la menuiserie ben, soit d'équerre à l'intérieur.
Alors, la première chose à faire, c'est juste installer provisoirement les montants du cadre extérieur. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont déjà une épaisseur ici. Alors, en l'occurrence, là, j'ai mis 4 cm. Et je vais venir affleurer ma traverse basse sur l'extérieur de ces montants. Et ensuite, je trace. Voilà, donc là j'ai affleuré ma traverse basse avec mes montants ici. Maintenant je peux tracer. Juste un petit point, on remarque ici que ma tôle ici, j'ai un jour. Bon, cette traverse là en fait, elle va être prise en sandwich, donc elle va pas être ici, à ce niveau là. Elle va être plutôt en bas, ici. Donc cette tôle là, elle va être légèrement à l'intérieur, mais on s'en fiche parce que comme ça va être pris en sandwich, si la tôle est pas droite ici, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est ça va être le dessus ici, l'encadrement de mon tableau. Donc là, je trace, je découpe, et ensuite je vais utiliser que cette partie-là, parce qu'à l'intérieur, j'ai déjà mes montants, en fait mes traverses et mes montants qui sont déjà à l'intérieur. Aussi de faire un repère pour bien savoir la position de ma traverse quand je vais la poser tout à l'heure. Qu'on a découpé les traverses hautes et la traverse basse du bâti, donc avec la forme du conteneur. Donc bien s'assurer quand on les pose, voilà, bien s'assurer quand on les superpose. Donc ici, ça peut arriver des fois que ça n'a pas la même forme si le conteneur est un petit peu déformé, même si on essaie de la redresser avec les traverses intérieures. Bien s'assurer qu'ici, au bout, on a les mêmes épaisseurs. Pour les montants, on va utiliser donc du coup cette épaisseur qu'on a là. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler le bâti avec les montants et les traverses. Donc pour ça, je vais utiliser de la colle D3 pour qu'il résiste à l'eau. Voilà, donc là, mon cadre est fait. On peut vérifier les diagonales. Et voilà, donc le cadre maintenant, il est d'équerre. Alors maintenant, on va le visser et le coller directement sur le conteneur. Thank you.
alors ici, on voit bien que la tôle est un peu en retrait par rapport à mon bois, mais ça me va très bien. Donc là, quand on l'a vissé, on voit bien aussi que le silicone a bien débordé, donc ça veut dire que c'est bien pressé. Alors mon cadre, je sais qu'il est resté d'équerre parce que j'ai gardé justement les deux tasseaux là en équerre. Et là, on voit bien qu'ici aussi, pareil, ça a bien débordé sur le côté. Donc là, je vais juste lisser un peu et ensuite je referai bien un joint silicone. Et là, donc j'ai mon cadre qui est bien rentré à l'intérieur. Et en dessous, ça donne ça. Donc là, il y a juste à faire silicone par là. Et au-dessus, voilà, au-dessus, c'est pareil. Hein. Ça le suit bien quand même. Voilà, pareil. Refaire un joint de silicone là. Et là, l'étanchéité de là à là, elle est faite. Sans soudure. Avec de l'ossature bois. Alors, il y en a qui vont se dire... Il y en a qui vont se dire que... la soudure, c'est plus costaud, etc. Donc, peut-être, oui, la soudure, c'est plus costaud. Mais faut pas oublier que c'est un conteneur. Là, c'est une tiny house. Il n'y a rien qui va être monté au-dessus, déjà, de une. Donc du coup, il n'y a que le conteneur qui est là, il y aura juste une petite couverture au-dessus, donc il n'y aura pas de poids au-dessus. Deuxièmement, la tôle là est très rigide et on a renforcé avec des montants en des tasseaux bois qui prennent depuis le sol jusqu'en haut, dans chaque angle là. Et lui, il est renforcé, vissé, siliconé avec toute une ossature qui fait ici là à peu près 14 cm. Pressé, siliconé, vissé. Donc honnêtement, ça va pas bouger. Pas de risque. Voilà. Donc voilà pour les ouvertures. Alors j'espère que cette première vidéo vous a plu. Maintenant, si vous voulez voir comment on fait les pliages, alors vous cliquez là-haut et il y aura le lien pour la deuxième vidéo sur laquelle on voit les pliages noirs comme ça qu'on met sur la structure.